Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve avec Boubou. What's up everybody, c'est oui, Boubou. Boubou qui a déjà fait pas mal de vidéos GTA 6 avec moi. Et Boubou, on retrouvera ta chaîne en... description. En description, n'hésitez pas à vous abonner à Boubou qui est de retour très fort, on a fait une vidéo sur sa chaîne. Ouais, une petite vidéo réaction d'une vidéo à l'ancienne qui fait plaisir. Ça date, vous en ça date, ça date. C'est une vidéo qui date, en tout cas c'est la première fois que tu vas dans mon décor. Effectivement, et ce que j'ai remarqué en premier, c'est le petit Groot qui est beau. Et même le décor, le petit franchement logo, ça fait plaisir, ça, c'est pas mal, on s'est investi pour 2021. En tout cas les gars, aujourd'hui on va parler, les gars, de quoi? On va parler de GTA 6, et oui, parce que aujourd'hui, encore une fois, on a des informations très très importantes sur GTA 6 qui ont tourné, voilà, et ouais, on va commencer. Ouais, j'ai vu aussi un peu sur Twitter, tout ça. Parce que ça fait quand même plusieurs années qu'on nous dit GTA 6 sortira machin, on nous dit 2021, après on nous dit 2020, après on nous dit 2023, 2024, 2025, on va tout dire aujourd'hui dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche, et du coup c'est parti pour le premier single. Alors du coup, aujourd'hui, pour le premier jingle, on va commencer par les personnages. Et oui, parce que on a des informations sur les personnages, beaucoup. Ouais, je pense que c'est l'information qui a le plus fuité. Enfin, moi, c'est tout ce que je sais, entre guillemets, qui a fuité de GTA 6, c'est... je te laisse nous le dire. Alors, comme vous le savez, sur GTA 5, on a Michael, on a Trevor et Franklin. Voilà, les trois personnages, tous, qui sont tous des... Des hommes. Et du coup, cette fois-ci, les gars, apparemment, donc d'après, comme j'ai dit, l'information, en fait, c'est quelqu'un qui travaille chez Rockstar qui a dit un youtubeur, soi-disant, ouais, voilà. Ouais. Après, encore une fois, c'est rien de sûr, mais d'après lui, c'est sûr. D'après lui, c'est sûr et certain. Et c'est pas la première fois qu'il le dit dans son tweet. Ouais, j'ai vu ça, c'est un mec fiable. Dans son tweet, il dit que c'est pas la première fois qu'il le dit. Donc, du coup, c'est une source sûre. Donc il nous dit quoi? Il nous dit que pour la première fois, on va pouvoir avoir une meuf, à lui. Une fille, pouvoir jouer une fille, ce serait cool. Mais personnage principal, bah, je pense qu'ils vont faire comme l'autre GTA, enfin le GTA 5, ils vont faire plusieurs personnages, ou peut-être même, je pense qu'ils vont s'inspirer du mode en ligne, et je pense qu'on pourra créer son personnage plutôt. Je pense plus qu'on... pourra créer son personnage et créer une genre d'histoire, je pense, où tout le monde aura la même histoire, mais créer son personnage, ouais, ça me paraît plus logique. Moi j'aimerais bien qu'on puisse créer son personnage. Après je sais pas si ce sera dans... je pense que c'est bizarre parce que si tu crées ton perso, c'est vrai qu'après l'histoire elle tiendra pas là, ça serait trop long pour eux de créer un, enfin je sais pas. En tout cas, tout ce que je sais, les gars, c'est que oui, on va avoir un personnage féminin pour la première fois, les gars, par Rockstar et Gnar. Tu t'as reconnu Gnar ou pas? Gnar. Pour la première fois, personnage féminin, les gars, sur GTA et en gros, bah, GTA 6, quoi, clairement. Et du coup, on va passer tout de suite au deuxième jingle qui va parler de quoi, la salle? La salle, j'aimerais bien, mais non, c'est pas moi la salle. My name is Boubou. Pardon. Qui va parler tout simplement de la ville et des missions. Gars, c'est parti, let's go! On va parler du coup de la ville. Alors, comme vous le savez, GTA 6, on a eu pas mal d'informations. Bon, je l'avais déjà dit dans les vidéos précédentes pour ceux qui suivent toute la série GTA 6, qui a pas mal subi d'ailleurs au passage. J'avais dit quoi, les gars? J'avais dit que GTA 6 allait se passer sur Vice City et qu'on allait avoir du coup justement des petites villes annexes où on allait faire des trafics de drogue jusqu'à genre en Colombie, etc. C'est vrai que ce serait pas mal. Donc c'est confirmé. C'est confirmé, ah, d'après le youtubeur. On avait eu, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais dit en gros que le GTA 6, ils avaient comme nom Project America. J'avais dit Project America pour ceux qui se souviennent de la vidéo GTA 6. America Project. Project America. Et du coup, c'est confirmé par lui. En fait, le Project America, il nous dit en gros, du coup, l'informateur, que tout simplement Project America, ça concerne que... il y aura du coup Vice City, donc ça c'est confirmé, GTA 6 ça sera sur Vice City, donc ça c'est sûr d'après lui, c'est sûr et certain que GTA 6 ça se déroulera sur Vice City. Mais pourquoi Project America? Parce qu'on va du coup faire des missions externes, on va voir en gros aller chercher de la drogue, tu vois, tu connais comme dans Narcos, dans la série Narcos Netflix, on va devoir aller chercher de la drogue dans des villes externes. Alors on a encore pas d'informations sur les villes, là, je suis regardant les yeux. Mais tu vois, on a eu Caillou Perico. Ouais, c'est vrai. La nouvelle île sur GTA 5. Ouais. Et où moi, justement, on va braquer, il y a du trafic de drogue là-dedans. Pour l'instant, on n'a pas encore exploité la drogue, etc. Mais les gars,
D'après lui, on va devoir aller faire, du coup, ce sera en fait, GTA 6, ce sera dans le terme du narco, donc de trafic de drogue. Et donc, du Narco. coup, on devra aller chercher de la drogue, bah, je sais pas, par exemple, en Colombie, et ensuite, on devra aller la Non, mais transporter si on est en une fille, avion, ouais. est-ce que on pourra aller en Colombie et utiliser quelques techniques que seules les filles peuvent... Ah non, les garçons aussi, tu me diras. Mais les filles, je pense qu'elles ont plus de Elles ont facilité. plus d'avantages parce que les Mais Colombiennes, quand même, ouais, moi j'aimerais sont bien très que ce soit avantagées. qu'il y ait même les villes d'un peu à l'ancienne Vice City. Déjà, je l'ai saigné sur PSP, PS2, GTA 6 PS3 quand également, il va sortir, PSP et qu'on aimerait bien PS2. saigner, mais malheureusement qu'on ne peut pas Ouais, saigner. ça fait combien là? Ça fait 8 ans, non? En 2021, il est sorti en 2023. 2012, je crois, ou Non, 2013. 2013, il est sorti en 2013 et là on est en 2021, ça fait bah, du coup 8 ans 8 ans, c'est bientôt. ce que je t'ai dit, 8 ans, c'est incroyable, ils abusent, Ça fait, ça franchement. fera 8 ans en septembre, les gars, donc pour l'instant ça Moi, fera je 8 ans. pense qu'il faut arrêter de jouer à GTA 5 en ligne, Bah parce que tant qu'il y aura des gens qui là joueront, ils ont tant que sorti la ça nouvelle île, marche, ça a bien marché. bah c'est ça, tant que ça marche, pourquoi ils arrêteraient, tu sais, ils vont se dire, bah, autant le retarder, quand ça marchera plus, bah non, on le sort, comme ça, il y a du nouveau. Effectivement, en tout cas les gars, du coup information, on va résumer. GTA 6 Vice City confirmé et du coup démission dans des villes externes. Ensuite, on va passer du coup à la troisième information. Troisième jingle, let's go. Du coup, c'est parti pour le troisième jingle. On va parler tout simplement de quoi? J'attends que tu m'en parles. Du coup, on va parler les cas de quoi? On va parler de la date. Et oui, la date qui est très très importante parce qu'à chaque fois, on nous dit ouais, ça va sortir tant, tant, 2013, 2020. Enfin, il y a plein d'articles qui nous disent que ça va sortir en 2023, non machin. Donc, déjà, il faut savoir un truc très important, très très important. C'est quoi? C'est que déjà, GTA 5 sur PlayStation 5 qui a été annoncé en 2021, donc c'est-à-dire là. Fin 2021, en 2021, déjà il est même pas encore sorti, déjà pour commencer. Après, on est le 1er janvier. D'après ce qu'on a vu comme source, il sortirait en décembre 2021. Descends. GTA 5 sur PlayStation 5, tu vois la version Ah, PS5. GTA 5, PS5. Ah, Sur tu parlais de PS5. GTA 6. Là, on a eu quoi, les gars, comme information? Récemment, on a eu que, apparemment, GTA 5 sur PS5 allait être reporté en PS5. 2022. Ils vont aider. Ah, ils abusent, franchement. Où ça se trouve, moi, je pense qu'ils veulent créer le petit effet de surprise. Ils ont toujours fait comme ça et qu'ils vont t'envoyer une petite pub. Tu Tu vois, ou penses? un beau Ils vont, truc, ouais. ils nous disent ouais, ça sortira Ouais, tant, mais finalement, ça bam, fait 8 2022, il nous ans. sort GTA 6. Aïe, ça fait 8 ans. Après, il y GTA a eu Red 5, Dead, hein, il y a eu Red Dead. Bah oui, Red Dead mais 2. avec entre GTA 4 et GTA 5, ils ont rien annoncé, ils ont pas fait d'annonce, ils l'ont sorti comme ça. Je m'en rappelle, C'est une pub, vrai. elle est sortie, mode en ligne, et tout ça. Après, je sais pas, franchement. Donc, du coup, ce qui fait que si GTA 5 PS5 qui sort en 2021, même déjà même fin 2021 et 2020, fin 2022, ça veut dire que, Tu bégayes là. imagine, GTA 6 sortira quand? Je sais pas, mais je pense que Parce ouais, qu'ils vont faire ils durer jouent avec le forcément, cerveau des gens. ils vont faire durer forcément GTA 5 sur PlayStation 5 en sortant des braquages, des DLC pendant 1 an ou 2 ans. Donc, ça, donc GTA 6, pour moi, les gars, j'en suis sûr, ça sortira minimum 2024-2025. Voilà. Ah, t'abuses là, Ah, si, si, 2024-2025. mais si, mais on est en 2021? Moi, je reste Toi, tu dis de. quelle Moi, je année? reste Et des. bah, dans les commentaires, dites-nous quelle année. Ensuite, Bobo, vas-y, dis-nous quelle Moi, je année. reste des optimistes et je dis maximum début 2022, fin 2021. Moi, je pense qu'ils préparent une petite surprise pour Noël ou. Après, Ils ont n'oublie jamais. pas qu'il y a le Covid aussi. Et le Ouais, Covid, c'est vrai, mais ils vont ouais, ja c'est ils vrai. sortiront jamais un jeu pendant le Covid, je te le dis, parce qu'ils vont C'est perdre plein vrai d'argent. que, ouais. Imagine, ils Faut sortent le jeu attendre le là, Covid, faut voir. confinement, les gens ils peuvent pas Puis même, sortir, c'est pas ça, magasins c'est fermés, les gens que ils peuvent pas acheter le dans jeu. les entreprises, ils peuvent pas Ils peuvent pas bosser. travailler Il y a beaucoup d'employés de en Rockstar, les gars. entreprise à plusieurs. C'est compliqué, ouais, c'est vrai. J'avais oublié ça. Et il y a beaucoup d'employés de Rockstar qui sont en télétravail. D'ailleurs, Rockstar qui a aidé tout simplement les hôpitaux via la boutique de Rockstar. En gros, si on achète des trucs dans leur boutique, ils aidaient à un certain pourcentage le Covid. En tout cas, les gars, ce que j'ai à dire, c'est que forcément, GTA 6 pour l'instant, si on résume le tout. Toi, déjà, avant de résumer, je vais te demander ce que tu penses de toutes ces informations. Moi, je pense Est-ce que tu penses que c'est bien que. déjà qu'il y ait une meuf?
en personnage. Franchement, moi je kifferais jouer une fille en personnage principal. Après, comme dans Tomb Raider, tout ouais, ça. Qu'on ait le choix, franchement, qu'on ait le choix, qu'on puisse choisir soit une fille, soit un garçon, soit un non-binaire, soit un transsexuel, soit. N'importe. Que je veux dire. N'importe quoi. Tous les genres, les gars, un tous alien, les genres. Même un alien, chien, n'importe quoi. Il y a déjà chien, chat. Ouais, c'est vrai qu'on peut déjà. Mais, une fille, les gars. Principal, vivre la vie d'un chien. Ou vivre la vie d'un non-binaire. Incarner, non mais sérieusement, incarner une fille. Incarner une fille, ouais, c'est vrai. Que moi, je kifferais franchement. Moi, je pense que s'il faut pour un voir, truc... Voir comment ils pourraient imaginer un scénario de fille, comment, tu vois, pour pas trop en faire... Tu vois, bah, dans Narcos, par exemple, t'as la meuf, là, tu sais, la journaliste. Mmh. Bah, après, qui est proche filles, de Pablo ouais. Escobar, tu vois, où elle fait un peu de trafic et tout avec lui, machin. Une meuf, tu vois, une bandit. Une vaillante. Ouais, bah ouais, après, comment ouais. Après, elles comme ont dans... beaucoup les femmes, hein. Enfin, ouais, si... Je sais pas, on verra bien. En tout cas, les gars, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-nous aussi, d'après vous, quand est-ce que GTA 6 sortira. Et surtout, est-ce que vous pensez que c'est bien qu'il y ait une fille? Moi, personnellement, je pense que c'est très bien qu'il y ait une fille. Donc, si j'ai un peu ce que j'ai à dire par rapport à toutes les informations. Donc, du coup, c'est très bien qu'il y ait une fille, parce qu'on n'en a jamais eu. On a eu des filles, mais c'était pas des principaux. On pouvait pas les jouer, etc. Donc, du coup, c'était un peu chiant. Mais en tout cas, ça peut être pas mal, les gars. Ça peut être pas mal. Concernant la date, comme je vous ai dit, j'ai dit à beaucoup 2025. Ouais. 2025, bah, on n'espère pas quoi. On n'espère pas que t'as raison, franchement. Voilà, je voulais boire un peu de café. C'est bon. C'est bon. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne de Boubou. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était tout pour GTA 6 sur PlayStation. Bah, peut-être 6. Hein. Ah. T'imagines GTA 6, GTA 6 sur PS6. Non, t'abuses. De toute façon, la PS6, ouais, c'est un autre sujet. En tout cas, personnage féminin, ça peut être pas mal. Ciao, tout le monde. Bye.